Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme d'habitude dans Maurice Genevoix, ceux de 14, et je vous propose un entretien sur des réflexions originales sur l'absurde de la guerre. Oui, il est arrivé un moment où Maurice Genevoix s'interrogeait sur l'utilité de ce qu'il faisait. Donc, réflexion sur l'absurde. C'est en deux vidéos. Ce n'est même pas du désespoir. Cette sécheresse du cœur, le cœur devient sec, dont je sens le goût à ma gorge. C'est extraordinaire. Il perçoit un sentiment à la gorge. Donc ce n'est même pas du désespoir, ni de la résignation non plus. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que cela, une froideur dure, une indifférence desséchée. Indifférence desséchée, c'est atroce ça. Pareil à une contracture de l'âme. Très grand écrivain là, vraiment. Une contracture de l'âme. Il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus de sentiment, donc presque. Desséché. C'est froid. Tombez encore. Aussi longtemps que vous voudrez. Les gros obus, les torpilles et les bombes. Tombez, tombez encore, comme vous voudrez. Écrasés, tonnés, ça faisait un vacarme terrible, ils étaient sourds très rapidement. Soulevez la terre en gerbes monstrueuses. On ne connaît pas ça, nous. Mais bon, il y avait des explosions qui projetaient de la terre haut dans le ciel. Plus haute encore, plus haute, plus haute, tant que vous y êtes, allez-y, plus haute. Comme c'est grotesque, mon Dieu, tout ça, comme c'est grotesque, grotesque. Dans la tranchée sud, c'est bon. Dans la tonnoire, 7, c'est bon. Dans la petite tranchée de Souesme, c'est bon, c'est bon. Une plaque d'acier blindée monte très haut et retombe comme un couperet de guillotine. Oui, fallait pas la recevoir par la tranche. Sur son cou, la tête était coupée là. Plaque d'acier blindée, couperet de guillotine. Souas me passe devant moi, la face plâtrée de boue jaune. La terre, quoi, il a été éclaboussé. Les deux mains sur les reins, ça doit lui faire mal. Derrière lui, Montigny. Derrière encore, Jeanfelin. Jeanfelin, Montigny, Souas, c'est bon. C'est bon, allez-vous-en, enseveli, allez-vous-en, enseveli, blessé, démoli, 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 blessé. Ouais. Vous voyez, à la fin de cette première vidéo, on perçoit le nihilisme, le vide, le vide. Les sentiments ont disparu, desséchés, de voir, après tant de semaines, plusieurs mois, la mort, la mort, la mort, la mort. Le déchiquetage, le broyage, le bruit assourdissant, le vacarme des obus. Oui, on voit que le cerveau, là,
Pense à l'absurde de tout ça. À quoi ça sert? Voilà. La folie des hommes n'a pas de limite. Voilà. Bon. Eh bien, nous saurons la suite de cette réflexion sur l'absurde la prochaine fois. Que ça ne vous empêche pas d'être joyeux, vous qui, comme moi, vivons dans un climat de paix. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.